Dans un monde de dragons. Alors attention, spoiler, Spyro 1, à la fin on gagne. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Le dernier arrivé est à Gnork! Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée, après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Wow! Quel atterrissage! Salut! C'est par où? La plage? Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Oh la gueule de Ripto. On dirait qu'on... Oh la voix de Ripto. On essaye de me cacher quelque chose. Un dragon? Vous avez amené un dragon à Valar? Je hais les dragons. Gueule, espèce d'imbécile! Viens manger mon sceptre! Je m'occuperai de vous plus tard! C'est qui ce clown? C'était Ripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ce carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? Hey, attends un peu! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? Ouais, et ben, j'aime bien le design de chasseur. Elona ou oui, je crois que c'est ça, c'est Elona ou Erona, je sais plus. Enora. J'aime bien son design aussi, mais ça change vachement. Chasseur, il est juste plus peaufiné. Le prof, j'aime bien sa gueule. Par contre, même critique que sur PS2. Elora, oui, voilà. On a la forêt d'été, les plaines d'automne, la toundra d'hiver. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un truc du printemps? Il nous manque un monde, je suis toujours frustrée. Il y a des trucs aussi à faire ici? Oui, mais pas dans ce... Pas dans ce monde-là. Ok. C'est tellement mieux d'avoir les trucs directement, plutôt que d'avoir à les chercher, franchement. Et donc, dans Crash Team Racing, vous pouvez jouer en tant que chasseur et Spyro. Et il y a Kodomo Joe qui a un skin qui rappelle les magiciens dans Spyro. Il y a deux personnages qui doivent appartenir à Crash Nitro Fuel de je sais plus comment il s'appelle, là, le deuxième Crash Team Racing que j'ai jamais fait. C'est deux personnages qui ont des skins de troll. Vous pouvez aussi débloquer le personnage de Nyastinyork pour jouer. Et je sais que Coco a un skin savant fou
pour le Grand Prix. Et il y a un circuit, spécial Spyro qui est super chouette. J'essaierai de vous montrer ça peut-être quand on fera. Je ferai un peu du 3. Peut-être que je ferai un petit peu de Crash Team Racing après, juste pour vous montrer vite fait le Grand Prix et le circuit en question. Bienvenue à Lueur, Spyro. Malheureusement, une bande de lézards a débarqué et a commencé à nous voler. Bienvenue à Lueur, Spyro. Malheureusement, une bande de lézards a commencé à débarquer et a volé tous nos joyaux. Est-ce que tu pourrais les récupérer? Pardon. I was just imitating the NPC dialogue and the way he speaks. This small creature. And he was talking like that, like a teenager whose voice is changing. So I was just mocking him. How are you? Oui, on dirait un peu qu'il est mort à l'intérieur. L'espoir l'a quitté alors qu'il vit à Lueur. C'est con, hein. Oh. Sur PS1, j'arrivais à faire du out of bound pour récupérer et faire le niveau à 100% du premier coup, sans avoir à y revenir plus tard en ayant appris à grimper à l'échelle. Mais là, ça a l'air plus compliqué. Break it before work. Well, I hope work won't be too much trouble. And I'm fine. I just got Spyro, the trilogy, and I'm having fun discovering this game again. The musics are great. I'm playing on the Switch, so it's maybe a tiny bit less pretty than the PS4 version, but it's still good, and I'm gonna be able to play Spyro whenever I want, so I'm pretty happy about that. Ça marche toujours. Ouais, Sparks qui montre les gemmes, ça marche toujours. Il montre les gemmes, mais non. J'ai pas regardé sa culotte. Je suis innocent. Mais tu dois être le dragon. Richard, mais non, il s'appelle Grossou. Dragon ou pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le pont. Ce sera sans gemmes pour passer. Mais non, c'est Grossou. Pourquoi il s'appelle Richard? Now I'm a tiny bit less happier than before. In French, this guy used to be called big money, just to translate that quite literally. I think it's big bags in English, or I don't remember, but in French it was literally big money, his name, but now it's Richard. It's still a play on words with rich in Richard, but they changed his name. Merci, monsieur le dragon. Spyro. Je l'écouterai jamais parler.
regarder les environs, appuie. Oui, chut. Oui, après, ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que moi, je préfère gros sous. Pour moi, ça restera gros sous plutôt que Richard, je suis désolée. Oh. Richard Grossou, effectivement, ça marche bien comme ça. Ça réunit les deux. Et il a un nom complet, même s'il ne mérite pas d'avoir un nom complet. Ça devrait être Ordure Grossou, son nom complet. Richard Ordure Grossou. Au pire, on l'appelle Fillon. Insérer blague sur rend l'argent, oui. Si petit lézard, on... Ah, c'est bon, il a déjà monté. Ok. Oui, ils font pas... Aïe, oui. Tu craches tout. Pour atteindre... Ah mais j'appuyais pas sur X pour te parler, j'appuyais sur X pour viser. Ils étaient plus mignons sur PS. La personne trop chiant. Ah non mais c'est pareil hein. Mais j'appuie pas sur X pour te parler, j'appuie sur X pour viser, bordel de chiottes. Aïe oui. Ah oui, c'est vrai que c'est d'abord celui-ci. Super! Super! Mais non, je voulais pas te parler. Oui, oui, chut. Foutez-moi la paix. Je connais vos dialogues, j'ai pas besoin de les entendre.
Ah, la caméra. Voilà, on va recommencer. Tada! Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. Oh. Je suis trop triste. Bon, normalement, il me manque plus que les gemmes là-haut. Et celle là-haut. Mais oui, même Ripto, il avait une tronche plus sympathique sur PS. Non, on peut pas voir leur cul à celle-là de fait. Elles ont des robes plus longues. Mais c'est triste parce que sur PS1, je sais jouer au jeu de manière à pas avoir à faire des allers-retours dans les niveaux. Genre, j'avais réussi, après moult essais, à rebondir sur la tortue dans le niveau des tortues, là, dans Forêt d'été. Et j'avais réussi à faire le mini-jeu du chef sans avoir à revenir. J'avais réussi à faire de l'OOB pour pas avoir à revenir ici non plus. Oh. Ah, on peut plus le faire tirer vers le haut, ça c'est nul. Oh. Oui, je sais. Bon, faudra revenir. Spyro, merci de nous avoir aidé à combattre les lézards. De rien. Ce portail magique que tu vois ici t'emmènera à la forêt d'été. Ouh, ça lag. Je suis un faune. Oh non. Tiens, salut. On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut. Moi, c'est Spyro. T'es quoi, une sorte de chèvre? Je suis un faune, Andouille. Oh, désolé. Tu as vu les tailleurs de gemmes à lueur? Ouais, ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman? Pourquoi? C'est spécial? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Tu vois, il existe 14 talismans à Avalar, et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spyro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon? Vraiment? Écoute, Spyro, il est impossible d'atteindre les rivages dragons pour l'instant. Ripto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été.
tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leur talisman. Tu peux les garder dans ton carnet. Hé, hey, je pourrais le faire, moi. Et si le dragon mettait le feu à Ripto? Chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes tennis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans? Et si tu trouves des orbes, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Ripto et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner. Alors, justement, je suis en train de vérifier ce que donc tu disais, Elora dit qu'il y a 14 talismans dans Avalar, mais les 6 de forêt d'été et les 11 du niveau d'automne, ça fait pas 14. Alors, on a Lueur. Alors là, j'ai les noms en anglais. Idol Springs, Colossus, Urikos, Aquaria Towers, Sunny Beach, si. Donc ça, là, on est à 6. Skelos Badlands, Crystal Glacier, Breeze Arbor, Zephyr, Scorch, Fracture Hills, Magmagone, Shady Oasis. Ce qui nous fait un total, effectivement, j'ai perdu le compte. De 14? Non. Attendez, que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, c'est ça, 14. Donc non, c'est bon, elle a bien raison, il y a bien 14, talismans. C'est parce que les niveaux en tout, il y a plus de niveaux parce qu'il y a les circuits. Mais les circuits donnent pas de... Les circuits donnent pas de talisman. Ah non, mais j'ai eu le doute aussi, hein. J'étais là, je fais... Mais non, il y en a bien 14, puis après c'est que des niveaux à orbes en hiver. Mais je reste triste qu'on n'ait pas de monde de printemps. On a été, automne, hiver. Et mon printemps, alors? Franchement. Là, je plouffe! Ah oui, par contre, oui, il en a plus. Il en a plus. Vu qu'il y en a bien 6 ici. Spiro, voici le monde nommé Forêt d'été. Merci. J'essaie de couper la parole, mais quand c'est censé, genre, voici un monde appelé Forêt d'été. Fin. Comme ça, je lui coupe pas la parole vraiment. Ça fait plus poli. Bon, mon papillon bleu là. Quand il arrive? Normalement, c'est au bout du 10e. Wesh! Ah, merci quand même! Ça a du reset entre le charge, entre lueur et forêt d'été. C'était une phrase. Sparks? Salut Spiro. Salut chasseur. Oh, c'est joli, il y a de l'eau. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux, ça?
Waouh, tu es un véritable athlète. Qu'est-ce que tu veux ça? Ça va, petit chat? Ça va, Sora? T'as fait gros dodo? Moi, oui. Moi, oui, ronron. Écoutez-moi ce ronron. Et c'est Sora qui se frotte au micro. C'est pas comme ça qu'ils font. Vraiment, ils font. Non, mais oh. Non, mais oh. Un Yeti semait la terreur dans les environs, mais nous avons réussi à le piéger. Non! Dans toutes les portes. Parle aux autres frères. Non. Ils ouvriront les autres portes et te mèneront à lui. Mais non, je suis pas d'accord. Normalement, c'est nous avons réussi à piéger le Yeti en fermant toutes les portes. Parle aux autres frères, ils ouvriront les autres portes et te mèneront à lui. Putain, mais non, je suis pas d'accord. Pire remake. Remboursé. Worst game ever. Non, il doit faire non mais oh. En me concentrant, je devrais pouvoir t'ouvrir cette porte. La porte est ouverte. Laisse-moi tranquille, j'essaie de méditer. Je vous refais le doublage en live. Ah, qu'est-ce que c'est en fait? Il y a un truc ici. Faire un sans photo, ok. En théorie, c'est facile, mais quand il faut le faire en objectif exprès, c'est moins facile. Ils ont changé les statues. Il n'y avait pas de crosse de hockey avant. Je vais pas mettre les voix, comme ça je vais pouvoir faire le doublage en live. Qui a besoin d'une clé quand il suffit de psalmodier? J'ai mon écouteur qui se barre. Comment puis-je atteindre la plénitude si tu continues à m'importuner? Oui, chute. Ah, c'est fait qui te donne des conseils alors que t'as rien demandé. Hmm.
Et regarde ce que je sais faire. Ouaïe aïe aïe aïe. Comment peux-tu être sûr que j'existe? Même si je suis végétarien, je pense que je devrais brûler ce Yeti. Mais il est très dangereux. En fait, je me demande si tu en es bien capable. Je pensais que le Yeti était plus fort que ça. C'était juste un prétentieux. Ha ha ha. J'ai quand même surveillé le talisman sacré pour m'assurer que le Yeti ne le mange pas. Je sauve la version du jeu. Vous pouvez me remercier. Hé, je te parle. Connard. Ah shit, here we go again. It's hockey time. Yes, 666, les gemmes du démon. Je trouve qu'il est vachement plus lent sur la glace. Ah, bienvenue Spyro. Nous avons découvert que le hockey est un sport très apaisant. Veux-tu jouer avec nous et tenter de battre notre gardien? Tu as 2 minutes pour marquer 5 fois dans le but rouge. Hey, coucou indigeste. Je refais le doublage parce que des moines, ça le maudit plus. Ouais, je trouve qu'il est plus lent sur la glace. Oh, t'aurais presque pu le récupérer tout de suite. Et pas 17 minutes. Ah, je sais pas, j'ai pas fait, je me souviens plus. Ça remonte à il y a trop longtemps, j'ai oublié. Oups. Oh, petit con. J'ai l'impression que Spyro se traîne le cul sur la glace. Il était plus rapide que ça sur PS1, non?
Bien joué. Prends ceci. Veux-tu disputer un match individuel? Le premier à marquer 5 buts gagne. Tu dois viser le but rouge. À toi de jouer. Oh, le palais qui a disparu dans l'OOB. Fais pas le coup, fais pas le coup. GG easy. Yes. Bien joué. Prends cet orbe. Si tu le fixes suffisamment longtemps, tu ne verras rien. Oh mais non. Oh mais non, Fjorl. Repose-toi bien quand même. J'espère que tu auras un sommeil paisible. Pense à Pissereau. Pissereau le Gringron. Sommeil paisible sera éternel, comme le mien. Mais oui, des trucs pipou, des trucs piou-piou, des trucs... Pense à des chocobos, pense aux chocobos de FF8 en HD. Je sais pas s'ils sont mignons, mais c'est des chocobos, donc c'est forcément mignon. Pense à Nissi, elle protégera ton sommeil. Ok, donc là c'est bon. Je vais m'occuper de la quête du professeur. Je vais récupérer les diamants, les joyaux là-bas après. Là je crois qu'il y aura un truc, donc ouais. Hop! Heureusement que tu as fait fuir ce mauvais esprit, mais il va se réfugier dans les statues. Si tu arrives à enflammer les 10 statues, je suis sûre qu'il partira pour toujours. Forcément, comme j'ai baissé le son des voix, il faut que je lise toutes les voix, donc... Mais en même temps, ils ont chié en école, là, je suis désolée. Comment ça, ils ont pas laissé les moines qui psalmodient, franchement. Sacrilège. Je sais plus s'il y a quelque chose par là. Non, je crois qu'il n'y a pas de joyau par là.
Yes. Des bisous. Repose-toi bien. Et à plus tard. Mais... Bien joué, Spirou. Tu as chassé le mauvais esprit. Tiens, accepte ceci. Je l'ai emprunté au temple. Ils n'en ont plus besoin. J'aime bien la tête de Spirou quand il reçoit une boule. Oh ! Orbe tous collectés ! Niveau terminé à 100%. Non mais quel scandale quand même pour les moines qui psalmodient pas. Waï aïe aïe aoum, waï aïe aïe aoum. Waï aïe. Non, c'est pas ça. Waï aïe aïe aoum. Waï aïe aïe aoum. Ils étaient plus mignons sur PS1, les moines, je suis désolée. Salut Spiro. Très bien. Très bien. Eh, mon papillon bleu là. Bon, j'ai eu la vie quand même, mais où? Qu'est-ce qu'il fait, Sora? Comment c'est sombre sous l'eau? Oh vache, on voit rien. On voit rien du tout. Pour le coup, Spiro 2 me manque, hein. Du massacre de moutons, mais c'est justifié. Et de crapauds pour les vies. Allez, sainte idole. Faut que je regarde pour la luminosité, mais le truc c'est que la luminosité elle est bien, sauf sous l'eau quoi.
La musique est étrange. Préfère. Alors oui, la luminosité. Ben non, il y a juste contrôle caméra ou son. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sainte idole, atterrir sur l'idole. Ouais, laquelle? Celle-là? Celle-là? Point, point, là. Ça va pas être celle-là. Spiro, les idoles que nous sculptons sont devenues vivantes. On va donner à manger du poisson. Le poisson de l'idole, le poisson destiné spécialement à nourrir l'idole, le poisson de l'idole. Ce poisson-là? Mais oui, ce poisson-là. Là, c'est un peu mieux. Normalement, j'ai tout ramassé. Ah non, il me manquait une bouteille. J'ai bien fait de vérifier. Et ça, il faudra la fuser. Donc ça, c'est bon. Alors, il me semble que c'est très simple si on fait la bonne combinaison au départ. Mais je me souviens jamais de la bonne combinaison au départ. Et j'ai foiré. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ah zut, je me souviens plus de la combinaison. C'est bon. Tu as réussi, Spiro. Oui. L'idole dit qu'elle a faim et... Ah. Elle fait plus group. Et les poissons, ils font plus. Enfin, ils font plus des petits bruits. Oui, mais encore.
Merci. Bien, Spirou. J'aime bien quand ils font ça. Je vais y arriver. Un jour. Voilà. Oh mais non, je voulais faire un grand tour pour éviter le commentaire de la fée. En tout cas, les décors sont jolis. Je suis pas toujours satisfait des nouvelles versions des persos ou des choix de langue, des choix de façon de parler des persos, mais oui ta gueule. Mais les décors par contre sont vachement jolis. Alors ça, je vais pas le faire tout de suite. Voilà. Maintenant, je peux le faire. Oups. Oui, je sais, je me suis trop moqué. Oh, zut. Oui, ta gueule. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bien joué, Spiro. De rien. Allez, tourne, tourne. Voilà. C'était compliqué. Ah, pourquoi je suis en mode vue? Vous allez me dire parce que t'as appuyé sur le bouton. Oui, mais alors je l'ai à peine effleuré, donc c'est pas vraiment ma faute, c'est la faute à la manette. Tu es très courageux, Spiro. Merci.
Alors, le petit mini-jeu chiant. Est-ce qu'il faut que j'atterrisse sur la tête à elle? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense que ça doit être l'idole au début du jeu. Mais je vais quand même essayer. J'ai raté la première. Ok, deuxième coup, ça va. Regarde, la danse de la pluie. Oula a détruit cette idole comme on souffle une bougie. La carrière de danseuse dont je rêvais me tend enfin les bras. Et on peut mettre le feu aux danseuses. Pas très gentil, mais on peut. Alors je fais. Il y a les mêmes bruits que de la jungle que dans Rayman. J'ai entendu. Là, on vient encore de les entendre. Mais c'est pas possible d'atterrir sur l'idole. Je vois rien là. Donne là peut-être. Exorme, t'es encore là ou pas? C'est sur quelle idole qu'il faut atterrir? Parce qu'ils disent atterrissez sur la tête de l'idole, mais je sais pas laquelle, moi. C'est celle à laquelle, à laquelle on donne du poisson. C'est celle-là, là-bas, au fond. C'est celle-là. T'as passé 1h20 à essayer d'atterrir sur la très grosse idole avec le poisson. Enfin, idole. Et c'était pas celle-là. Alors, je vais essayer celle qui est près des danseuses, alors. C'est celle-là. Oh, j'ai oublié un pot de diamant.
T'avais fini par aller chercher la solution sur internet parce que t'as galéré. Et galéré parce que le jeu venait de sortir. Ah bah oui, forcément. Non mais ça me rassure que ce soit pas celle des poissons parce que ça me semblait un peu trop gros. Et un peu trop haut pour qu'on puisse y arriver. Oups. Piou. Bien, le prochain c'est à Urikos, tous les moulins. Ça va, c'est pas trop chiant. J'aime toujours cette blague. Bon. On va faire encore un peu de Spirou.